Mesdames, messieurs, soyez tous les bienvenus dans le monde merveilleux de la moquette chez Compagnons de la Nuit. Nous vous invitons à nous suivre pour une petite visite à l'occasion de leur célébrissime atelier d'écriture du jeudi soir 21h30. Nous voici dans la fameuse salle au nom si cryptique que son explication est aussi légendaire que confuse. Du reste, que peut-on trouver de plus adéquat qu'une dénomination aussi cryptique pour ce qui n'est en fin de compte qu'une cave? 9h, c'est ici que cela se passe. C'est l'heure. Les portes s'ouvrent. Nous pénétrons dans l'antre des compagnons et de leurs pittoresques visiteurs. Nous sommes accompagnés par la foule impatiente des grands jours. Une foule qui vient ici chercher ce qu'elle ne peut trouver nulle part ailleurs en cette moquette qui rend au paralytique l'usage de la parole, qui rend son identité à l'inconnu et la lucidité au mal comprenant. Un lieu où chacun vient trouver la perle rare qu'il s'empressera de perdre en sortant une fois rendu à son destin. Il n'aura qu'à revenir, malheureux distrait. Descendons par l'escalier et découvrons cette salle matrice, accueillante et bouillonnante de vie, comme vous pouvez le constater. Profitons un moment de cette image, une image comme on aimerait en voir plus souvent. Les gens ont accouru par palanquées entières, assoiffés de fraternité, de culture, d'envie. L'envie, maître mot, l'envie d'écriture, de littérature. Ce soir, comme chaque jeudi qui depuis plus de 2 décennies est voué, consacré, dédié et destiné à l'écriture, à la lecture et au goût du rituel, aussi éculé soit-il. Chaque jeudi qui, inéluctablement, indéfiniment et indéfectiblement se présente à l'univers comme un rayon de soleil dans la morosité ambiante. Suivez-nous encore. Que trouvons-nous en ce mystérieux et riche sous-sol? Une équipe. Une équipe que nous surprenons en plein travail. Un travail acharné qui s'apparente, n'hésitons pas à l'affirmer ici, quitte à malmener leur légendaire modestie, un sacerdoce voué à nos frères humains qui auprès de nous vivaient, ainsi que le dirait ou aurait pu le dire le poète. Mais ne dérangeons pas le labeur acharné des travailleurs non moins acharnés. À l'accueil, bienveillant et attentionné, Cyril, un mot pour chacun. Virevolte de l'un à l'autre, telle l'ouvrière butineuse, Thomas. Nous surprenons, comme veillant, phare et sémaphore, Laurent en pleine action. Surplombant, protégeant, maternante, pensant et déjà t'écrivant, Chloé règne sur l'escalier quand Marion, figure même de l'intellectuel, et ce soir maîtresse de la soirée, anime l'atelier, trônant majestueusement au bout de cette grande et communautaire table qui accueille les si nombreux et si enthousiastes écrivains de la nuit. Et voici l'heure, le moment, avec un grand M, le temps, avec un grand T, la pendule, avec un petit P, ne saurait mentir. 21h30. C'est l'heure de l'atelier d'écriture. La proposition de ce soir est affichée. Lisons-la, voulez-vous? Ça donne envie d'essayer. Comment ne pas ressentir, avec émotion, la profondeur de cette proposition si judicieusement d'actualité? Comment ne pas se perdre à imaginer un si vaste champ des possibles, induit par ce thème inouï d'un non-dit si sonore? Oh, bien entendu, chacun s'en saisit à sa façon. Façon qui ne laisse pas de nous parfois surprendre. Nous sommes ici en terre franche, royaume de la liberté créative. Mais cette affiche est comme un lien qui unit cette communauté fraternelle et bourdonnante à l'heure du travail de création, voire de récréation. On se presse autour de la table. Les stylos crissent frénétiquement. À pas feutrés, nous nous mêlons à cette petite assemblée disparate. Tous s'adonnent au culte du beau,
du bizarre, du franchement cocasse. Chacun célèbre à sa façon la religion païenne de la feuille blanche et du mot juste, communie aux valeurs du social, de l'amical, du bien-être et du bon goût si parisien. Nous vous invitons un instant au silence. Ah, s'immerger dans une foule fraternelle, bigarrée, bienveillante, distinguée, hétéroclite, diverse, si pleine de reconnaissance aussi pour ceux qui donnent sans compter, ceux qui du reste, ils ne savent pas très bien faire, ainsi que nous l'ont confié, comptables et trésoriers. 23 heures sonnent au clocher du village. Quand les uns dorment en paix, c'est pour les autres, heureux privilégiés que vous êtes, ingrats vénards, l'heure de la lecture. Nous rejoignons le grand cercle de vie, cercle d'énergie, cercle d'initiés, cercle fermé et ouvert au monde entier, par lequel passe le courant de la parole universelle. Difficile de rester observateur lucide et neutre dans cette fièvre à laquelle vous assistez, tout comme nous, éberlués et fascinés. Voici venu le temps de la délivrance, de la livraison, du cadeau, de l'échange. Que se mélangent les mots et les pensées, les images et les sons, que s'en mêlent les corps et les membres en mille feux d'artifice. Que soient remerciés tous les auteurs qui ont participé à ce 4e atelier hors les murs de Compagnons de la Nuit, qu'ils vivent 1000 ans. Dans l'immédiat, écoutons-les. Oyons, oyons et jouissons. Bonjour. Bonjour. Ça donne envie d'essayer ? Ça me donne envie d'essayer de faire un atelier d'écriture par texto. C'est original. Déjà, je me sens beaucoup moins seul. C'est la deuxième fois. Ça me donne envie et je continuerai encore. Ça me change. Il y a quelques années, j'écrivais en direct depuis la moquette. Quand j'étais venu il y a 16 ans pour la première fois à la moquette, ça me donne envie d'essayer de mettre une chemise jaune. J'espère avoir donné des couleurs, de la gaieté, de la joie. Je vous assure, ma couleur préférée m'a beaucoup aidé pour faire l'atelier d'écriture, parler dans les églises. Sinon, je peux dire que ça donne envie d'essayer de connaître Roger, Samuel, d'autres personnes de la moquette, Marion, Chloé, Thomas, Laurent, Cyril, une superbe équipe sympa. Je trouve depuis le 11 mai, ça donne envie d'essayer de faire beaucoup plus de choses qu'avant et de connaître beaucoup plus de choses. Ça me donne envie d'être encore beaucoup plus optimiste qu'avant et rendre encore beaucoup plus de services. Bonne soirée à toutes et à tous. Ça me donne envie d'essayer jeudi prochain. Merci Serge. De rien, avec plaisir. Essayer, bégayer, comme un bébé, réapprendre à marcher sur ses pieds. La tête est fatiguée de se prendre pour les pieds. Elle s'est pris les pieds dans le tapis, la tête. Tenter quelque chose d'autre. La tentation, quel mot! Tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dit la Bible. La tentation était là. À portée de main, essayer de connaître ce que l'on ne connaît pas encore. Quelle tentation! Et c'est ainsi qu'Ève connut Adam, au sens biblique du terme, et qu'Adam ne fut pas en reste. Mais c'est, bien sûr, la faute à Ève, comme le chante Anne Sylvestre. Pourtant, depuis la création du monde, ce premier essai a été bien souvent transformé, et de points de plus, à chaque fois. Alors oui, ça donne envie d'essayer des tas de choses. De ne pas envoyer les objets utiles ou les médicaments se faire fabriquer ailleurs. De payer davantage ceux qui font les faiseurs. Et beaucoup moins les diseurs. De prendre le temps de s'écouter les uns les autres. De ne rien faire quand l'envie nous en prend. De jouir de la nature et non de profiter d'elle. De ne pas perdre sa vie à la gagner. De continuer cette liste à votre gré, car envie peut aussi s'écrire en deux mots,
envie. Par Sylvie. Ça donne envie d'essayer et pas du tout de se plinguer. Quand je les vois rigoler, j'ai bien envie de leur parler. Qui sont-ils? Où vont-ils? J'aime les voir s'aimer. J'aime les voir s'entrelacer. Mais quand rencontrerai-je l'être aimé? À vous de me le chuchoter. J'attends en les regardant. Vera. Je suis un rêveur qui cherche, un chercheur qui rêve. Je marche quand je veux, quand je peux. J'ai 20 ans, forcément, ça donne envie d'essayer, encore. Les obstacles, normalement, ça donne envie de les franchir ou de les dresser contre l'oppresseur. Alors, je manifeste, je brandis mon drapeau noir entre les slogans, réfléchis et réfléchissant l'espoir du plus grand nombre. Je philosophe dans la rue. Debout à Répu ou couché juste au-dessus de la Seine, sous la fontaine du palmier. Pacifique ou bien fouettant d'un mawashigiri la caisse d'un McDo, j'ai l'impression d'avoir essayé des trucs, d'avoir participé à des leviers possibles. J'ai essayé les convergences, les AG, les ZAD, les pavés et les gardes à vue. Mais après les rires et les chants, voici venu le temps du virus, du monstre pas gentil. On l'avait bien dit que l'autre monstre, le système éco, tuait l'écosystème. Con in fine, le nez dedans, nous sommes dans la situation illustrée par ce dessin de Dan Piraro, où un poisson se transforme en créature qui monte sur la terre, qui devient mammifère, puis primate, et se transforme graduellement en un humain qui vide sa poubelle toxique dans l'eau sur un poisson mort qui flotte. L'eau manque, l'air est irrespirable et le capitalisme numérique nous numérise chaque jour un peu plus. Le virus sera-t-il l'arbitre de la folie de l'homme? Pas sûr du tout. Mais dans le doute, ça donne envie d'essayer, non? Les alternatives sont là. J'ai 20 ans. Je suis une graine. Eric. Ici, ça donne envie. On va essayer d'écrire des choses de la vie. Et puis, on a souvent envie d'essayer des choses qui nous paraissent faciles. Mais n'oublions pas que rien est facile. Écrire ce soir est pour moi une opération de vitesse. J'ai commencé à écrire tard. Ce soir, on va essayer de pondre un texte, si possible, bien. Ma motivation n'est pas la même qu'à la moquette. Là, chez moi, plus difficile d'écrire. Je suis plus décontracté aux compagnons de la nuit. Mais faute de grive, on mangera des merles. Ça me donne envie d'écrire, on va essayer de s'en sortir. Dans la vie, beaucoup de choses me donnent envie d'essayer, ou pas. Après ce confinement, on a envie d'essayer des choses nouvelles. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça donne pas envie d'essayer, mais tout simplement, ça donne envie de faire de belles et bonnes choses, même l'amour. Du moment que l'on n'est pas grossier, on peut écrire plein de choses de la vie. L'amour, ce n'est pas grossier, c'est beau, et bien plus, à condition que cet amour soit vrai. Tous les amateurs peuvent s'abstenir. Moi, je parle de l'amour en général. L'amour physique, c'est super. Mais plein de choses bonnes peuvent être faites avec amour. Ce soir, ça donne envie d'essayer, pas de faire l'amour, mais d'écrire. Voyons, malgré un départ difficile, j'ai réussi. Ça me donne envie d'écrire et c'est plus que bien. Je dirais presque, elle est pas belle la vie, à avoir envie d'essayer. Et dans la vie, ça donne envie d'essayer tout plein de choses de la vie en général. Merci à tous. Roger. Tout donne envie d'essayer, de siffler, faire des gâteaux, tout et toujours tout.
easier. Salut, voilà, texte de l'atelier d'écriture, la moquette hors les murs, en espérant retrouver la moquette prochainement. C'est bien hein, de retrouver un peu les copains et les copines. Bon, hein. Bref, donc le thème de jeudi 14 mai 2020, ça donne envie d'essayer, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre. Aujourd'hui, jeudi 14 mai, j'ai rendez-vous chez mon docteur que j'ai depuis si longtemps. Non, mais sans blague, merde, non, sérieux, ça donne envie d'essayer. Surtout après 2 mois de confinement qui ont plus ou moins... Non, pas servi à grand chose. Je ne vous parle pas de mon désagrément aujourd'hui avec la police à la station de la Défense. Le mec qui fume dans le RER. Non, mais je crois rêver là. C'est moi qui me fait avoir. Une amende, pas les autres sans blague. Merde. Je m'excuse, mais merde. Cet confinement et déconfinement, ça donne envie d'essayer. En plus, ça rend quelques gens complètement narvalos. Si je vous jure, c'est chiant, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Mais alors, à part écouter la télé qui devient de plus en plus inintéressante, écouter toutes les pacotilles de gouvernement, de contradictoires, d'incapables, de bras cassés, en plus, ces bandes d'enfoirés nous traitent de... tous les noms, et on n'a pas le droit de réagir. On nous prend vraiment pour des cons. Faut bien qu'un jour cesse cette mascarade. Faudrait donner l'envie d'essuyer les toilettes qui sont régulièrement noyées dans des torrents d'urine. Oh, livre l'enfoiré. Un atelier d'écriture de la moquette. Pour nous, les confinés, ça donne envie d'essayer. Essayez d'écrire 1 heure seulement. Essayez 1 heure quelquefois. En écrivant, on peut sûrement devenir beau et con à la fois. Écrire sur mes envies. Écrire pour inventer des vies. Allez, ça vaut le coup d'essayer. Il était une fois une petite fille qui ouvre un premier livre. Et d'un seul coup d'un seul, elle se fait des amis. Depuis, elle a l'impression que certains livres ont été écrits spécialement pour elle. Ceux qu'elle ne peut refermer. Elle est cette Hélène, elle. Elle est cette aventurier, elle. Elle découvre le temps du rêve. Elle parcourt ses itinéraires chantés. Elle est cette inconnue. La nuit, les mots dansent quand le chat n'est pas là. Ses livres lui donnent envie. Elle vit d'envie d'essayer, mais elle n'ose pas, pas encore. Elle se dit un jour mon temps viendra, quand j'aurai lu tous les livres, quand mon espace contiendra tous les autres. Elle est fermement habitée par cette pensée magique. Elle se dit qu'elle le sentira quand elle sera prête, que son stylo sera comme un pendule, qu'il s'agitera sur son bureau, le matin ou le soir, quand le monde est encore entre chien et loup, ou même la nuit dans ses rêves. Elle le saura, c'est sûr. Elle a fait plusieurs fois le tour du monde. Entre ses lignes, elle a découvert les arbres et les systèmes solaires. Elle a étudié la carte du ciel et les livres sacrés. Elle a pleuré devant la beauté de l'esprit et des secrets du monde. Elle s'est émerveillée de notre histoire, construite de génération en génération, inscrite dans notre code génétique par des lettres énigmatiques qui se croisent et tourbillonnent entre elles. Elle s'est aussi lamentée face à l'horreur, au désespoir, à l'injustice, au crime, à l'esclavage, au génocide. Elle est particulièrement sensible à l'histoire de la femme. Elle pleure souvent en lisant ses histoires. Mais les contes la réconfortent. Elle sait les esprits et les fées, les lutins et les druides, les djinns qui surgissent comme le parfum hors de la bouteille. Elle les appelle pour qu'enfin tous l'autorisent à essayer d'écrire. Elle se dit qu'une lectrice, un lecteur, attend aussi.
Elle a peut-être peur de ce face-à-face singulier, peut-être de ne pas être à la hauteur de tous ces livres qu'elle a lus, et encore plus de cette lectrice, lecteur, inconnue. Où va-t-elle les conduire? Dans quel méandre de son esprit? Dans quel recoin caché? Après la peur, est-ce l'angoisse qui va s'écrire en premier? La douleur? Le chagrin? La tristesse? Les lamentations? Ou le don? Le partage? L'amitié et pourquoi pas l'amour? Quelle émotion sera la plus forte? Laquelle se communiquera en premier? Elle attend. Elle pense à la marelle, à 1, 2, 3 soleil. Ça donne envie d'essayer. 1, 2, 3, lire. 1, 2, 3, écrire. Aujourd'hui, 14 mai, le jour est venu, ou plutôt la nuit. Il est 21h30 et la petite fille a grandi. L'autorisation est arrivée par SMS, un message de la moquette. C'est la petite fumée qui l'envahit dans son espace confiné. Elle se met à écrire. Il ne s'agit plus d'essayer, mais seulement de le faire. Essayer d'écrire, c'est écrire. Elle a enfin trouvé le secret. Essayer, c'est écrire. Ça donne envie de continuer. Et essayer de lire tout haut aussi. Elle avait oublié. Tous les poèmes se lisent à haute voix, pour descendre les fleuves impassibles, pour atteindre l'autre rive. Ce soir, je peux enfin le dire. Écrire et lire, c'est être en vie. C'est toute ma vie. Anne-Cécile. Depuis des mois, j'écris. Quand l'inspiration est présente, quand les mots veulent bien couler, quand tant d'idées se bousculent dans ma tête et ne demandent qu'à être couchées sur le papier. Depuis des mois, je tente une fiction autobiographique. Bel oxymore, penserez-vous. Oui, mais pourtant le fait est là, je mêle des événements créés à des réalités personnelles. N'étant pas une pro de l'informatique, je n'utilise pas d'ordinateur. J'ai ma feuille et mon stylo, et les mots défilent d'une belle évidence ou parfois accouchés au forceps. Ouais, j'y raconte la vie chaotique qui fut la mienne, avec ses bonheurs et ses souffrances, et j'y mêle des inventions qui m'arrangent bien. La tâche n'est pas facile, on ne s'improvise pas écrivain, et je peux rester des semaines sans écrire un mot, ou 2 jours, où il s'aligne, sorti tout seul de mon cerveau, une vraie fulgurance. Quand j'ai lu le thème de cette page d'écriture nappée de moquettes, j'ai connu l'angoisse de la page blanche. Rien ne pointait, rien ne s'imbriquait, les pensées étaient tortueuses. Puis je me suis apaisé. J'ai pensé, après tout, puisque tu as la prétention d'écrire un livre qui ne se finira peut-être jamais, après tout, ça donne envie d'essayer. Ça donne envie d'essayer de s'aimer, d'essayer de céder, car la vie est si dure et des gens sont si égoïstes dans ce monde. Pourquoi ne pas essayer de s'aimer alors que le malheur nous réunit? Ah, comme dit la chanson, si tous les gars du monde pouvaient se donner la main. Essayons de nous aimer, tous. Ça donne envie d'essayer. Ça donne envie de scier la branche toute pourrie sur laquelle on est mal assis. Sur quoi allons-nous tomber? Ça donne envie d'essuyer les plâtres d'une nouvelle page, à tourner, à écrire, à imaginer. Ça donne envie d'essorer, de tordre, d'étrangler les porteurs de fausses nouvelles, les porte-paroles du « toujours plus », du « laissez-nous faire, on sait plus que tous », du « vous n'y connaissez rien », du « on a la situation en main », du « rentrez chez vous, y a rien à voir ». Ça donne envie de dessiller les yeux de celles et ceux qu'on aime,
et de ceux et celles qui ne pensent pas comme moi, qui ne voient pas ce que je crois, qui voient le monde comme je ne le vois pas. Mais qui je suis, moi, pour vouloir ça? Ça donne envie de dessiner des images nouvelles, des tableaux plus beaux, des portraits pas robots, d'autres modèles que les tops, que les taupes, que les chargés de nous faire croire que le monde ressemble vraiment à ce que l'on nous montre dans les médias, dans les débats qui n'en sont pas, les queues devant les magasins de fringues ou de chaussures, les McDo à tout crin. Tout ça pour nous faire croire qu'on est trop bête pour changer, qu'il ne faut rien espérer. Ça donne envie d'essayer, de se relier, de se brancher, d'écouter ceux et celles qui croient que pour demain, la vie nous donne envie. Oui, ça donne envie d'essayer. Enchanter le champ des possibles. Mais je ne suis pas dupe. Non. De tout ça, que restera-t-il? Quand l'écran de fumée se sera dispersé. Balance ton linge. On verra bien. Le joint, c'est la jonction. C'est ce qui fait barrière ou passerelle entre deux univers, deux mondes, deux matières. Ça défonce ou renforce, c'est poreux ou hermétique. En fait, j'en sais rien. Passe le linge. On verra bien si. Ça donne envie d'essayer. De vous donner des gifles. Des coups de pied au cul. Et des coups de coude dans le nez. Et de la part d'un Suisse, pas comme les autres, Monsieur Federer. Tennis elbow, que faire de ces masques blancs, au nez rouge, bourré de coups, coups de poing, coups de coude. J'ai deux bières au comptoir, non payées, Corona au citron. Ça donne envie d'essayer. Le barman est charmant, garçon. Il adore les bals masqués. Il adore danser le rock'n'roll et le show. Coronavirus et les camarades, les courants d'air. Pas moyen de fermer les fenêtres, bourré de poussière. Covid-19 et les becs de canard. La danse des canards. Ça donne envie d'essayer en lisant Le canard enchaîné. C'est la danse des canards au bec blanc de ses masques. L'actrice ressemble un peu à Picsou. Donald, vive les canards. Covid-19, Covid-20, aimez les vins rouges et blancs. Et le bleu bit géante. Ça donne envie d'essayer. J'ai envie de battre des records du monde et changer de Nike. L'Éthiopie et les Kenyans sont en débordement de record mondial en coureurs. Physique extraordinaire, en résistance atmosphérique, aimer courir sur des chemins symboliques, chez eux presque en pieds nus. Les magasins européens sont dans l'emmerdement pour leur trouver des souliers atropiés. Éthiopie, éthiopienne et kenyenne. Vive l'Afrique. Ça donne envie d'essayer. Peux-tu essayer de tenter d'aller d'Adam et Ève? Tu pourrais essayer de prendre la pomme d'Adam et Ève, démarrer un monde pas comme les autres,
Et ça donne envie d'essayer d'aller sur Mars, qui est une planète intrigante, au risque, au péril, et péril, pardon. Alors, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Au feu, je vous salue les copains! Coupé! Ça donne envie d'essayer. Tout est dans le ça. Ça est irreprésentable, car la vie est irreprésentable. Et qu'en dernière instance, tout ce qui me meut ne peut être que la vie. Et pourtant, ça irreprésentable me donne envie d'essayer quelque chose qui est par essence représentable, car sinon je ne pourrais pas même envisager de l'essayer. Donc pour atteindre la vie irreprésentable, il me semble falloir passer par quelque chose de mort, puisque représentable. Question : quel rapport doit-il y avoir entre la vie irreprésentable et ce quelque chose de mort, puisque représentable ? Réponse : aucun rapport définitif, car il serait représentable, donc mort. Que faire alors ? Répondre à la question : est-ce que ça donne envie d'essayer ? Pascal. Je roule vers mon avenir. Je me rapproche lentement de mon destin. J'avance. J'avance sereinement et je ne me pose aucune question. L'ambition est la fille de la persévérance. Ou un truc comme ça. Je ne sais plus qui c'est, mais c'est une réalité qu'il ne faut pas négliger. Je ne sais plus si ma citation est exacte, mais je sais qu'un jour, mon rêve se réalisera. Positiver, toujours positiver. Ma voyante, Madame Marion, m'est d'un grand réconfort et d'un grand secours. Sans elle, je serais perdu à jamais. D'ailleurs, c'est elle qui me le dit. J'ai la chance d'avoir été élu par le Créateur originel pour l'aider dans sa tâche terrestre. C'est Madame Marion qui me l'a dit. Elle est forte, Madame Marion. Je vous le dis. Elle a de drôles d'habits. De drôles dieux, une drôle de maison avec des drôles d'odeurs. Enfin, tout est drôle chez elle. Normal, elle est voyante. Et en plus, elle est en prise directe avec l'au-delà. Elle communique avec le grand architecte de l'univers. Ah ouais, c'est une bonne, Madame Marion. Bon, peut-être un vague bémol. Je trouve, à mon avis personnel, qu'elle est quand même un tout petit peu chère. Mais bon, comme elle le dit tout le temps, l'argent n'a pas d'importance. Elle a bien raison, Madame Marion. Je crois qu'elle voit aussi des gens célèbres, des chanteurs, des acteurs, des ministres et même des présidents de la République. Elle est incroyable, Madame Marion. Elle m'envoie les propositions des ateliers d'écriture avant 21h30. C'est vrai. Juste pour moi, personnellement. Parfois, elle se trompe. En fait, même, elle se trompe tout le temps. Mais c'est normal, il paraît. Madame Marion, elle dit qu'il faut attendre que nos karmas fusionnent et que ça prendra un peu de temps et qu'il faudra que je fasse un nettoyage cosmique. Et cette purification a un certain coût. Et je lui fais confiance à Madame Marion. Donc, merci à tous. Merci à tous d'avance. Aidez-moi. Aidez-moi. C'est pour mon avenir. La Wari. Ça se traîne. Un jour sans fin. Une vie sans rien. Rien de neuf. La donne est sans surprise. Tu joues toute seule, c'est monotone. T'as bien envie de te balader dans la forêt, couleur d'automne. Rêve même pas d'essayer, c'est le printemps et ton cœur est veuf. Un bon calva, t'oublierais ça? Le réchauffer au creux des mains, gorgé de pommes en feu qui donnent des ailes à ton chagrin. Ris, c'est toujours ça de prix. Une autre envie,
Repeindre ce ciel gris, réveiller le grand vent marin. À force d'essayer, arrivera demain. Mais demain est venu, et c'est bien comme hier. Ça donne envie d'arrêter d'essayer, de se rouler en boule, de se faire hérisson, de dormir longtemps engourdi, au point d'oublier la chanson. Faudra des symphonies d'oiseaux, faudra qu'elle gueule la vie. Juliette.